Salut à tous et bienvenue sur XboxLive.fr, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça faisait un moment. Et donc cette fois on va parler d'une nouvelle manette qui est sortie là il y a quelques jours, en février 2021. Donc bien avant si vous regardez la vidéo, bien plus tard. Mais aujourd'hui nous sommes en février 2021 et donc cette manette c'est la hop, manette Xbox sans fil Pulse Red. Voilà, donc voici la belle boîte. Hop, voilà, vous voyez un peu tous les éléments. Donc, une nouvelle manette qui reprend le design qui a été introduit avec les nouvelles Xbox Series, donc X et S, que vous connaissez déjà. Donc, la version noire qui est là, qui est avec la Xbox Series X. La version blanche qui est avec la Xbox Series S. Et après est sortie aussi la version Shock Blue, donc toute bleue, avec les boutons, les lettres des boutons en bleu, les boutons bleus, les sticks bleus et la façade bleue. Et ben, la Pulse Red, c'est la même chose, mais... Hop là, en rouge. Donc on a vraiment une façade quasiment complètement rouge, hormis la croix multidirectionnelle, le bouton Xbox, mais même le fond du bouton Xbox est en rouge, et les fonds des boutons noirs, des quatre boutons en fait, qui est noir, avec la référence aux quatre couleurs, juste avec des tout petits points là, voilà, vous le voyez là. Voilà. Donc une façade complètement rouge, mais comme la Shock Blue, le reste ne l'est pas. Le dessus, les boutons LB, RB, RT et LTE sont noirs. Et l'arrière, lui, il est blanc. On retrouve le côté un peu... des petites poussières, mais le côté un peu granuleux. Je ne sais pas trop si on voit bien sur la vidéo, mais ce côté un peu grip qui permet d'avoir une bonne accroche. Hein. On retrouve de toute façon vraiment la manette des Xbox Series. A noter que cette manette, elle est fonctionnelle aussi sur Xbox One, puisque c'est le même protocole sans fil. Elle est aussi compatible Bluetooth, donc elle fonctionne sur Windows 10, mais aussi sur mobile. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout ce qu'on a retrouvé sur les manettes Xbox Series, et qu'on connaissait un peu sur les manettes Xbox One, hormis hop, le petit bouton share qui est arrivé avec la Xbox Series, et la forme de la croix aussi qui a changé. Maintenant, on a une croix ronde, mais on a sur les quatre côtés vraiment un petit débordement en plastique qui permet d'accrocher pas mal. Et je trouve que cette croix, c'est un mélange en fait d'une croix vraiment en forme de X, mais en même temps d'une croix un peu ronde. Donc je pense qu'on atteint vraiment, si c'est pas la perfection, en tout cas pas loin, vraiment une forme totalement idéale. Voilà, au niveau de la prise en main, rien ne change par rapport à la manette Xbox Series, c'est la même chose, c'est juste une couleur complètement différente. Voilà, après donc c'est une histoire de goût, on aime le rouge, on n'aime pas le rouge, on préfère le bleu, le blanc, le noir, c'est voilà, comme vous préférez. En tout cas elle est vraiment sympa, on retrouve toujours le cache de piles, hop, derrière, donc elle est fournie avec deux piles. À vous de voir si vous mettez des piles ou en tout cas des batteries qui peuvent être vendues séparément. Cette manette là, elle est vendue en prix public à 59,99€, mais... Il arrive régulièrement qu'on la trouve déjà en promo dans pas mal d'autres boutiques. La batterie qui va avec et le câble USB-C à 22,90€, je crois, ou un truc dans ce goût-là, 22,99€, pour permettre justement d'avoir une batterie avec votre manette. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette manette, et en tout cas ce nouveau coloris, vous plaît. On attend désormais les versions collector et peut-être d'autres coloris à venir. Ça, la suite nous le dira, il faudra attendre un petit peu. Voilà, bah écoutez, c'était la manette Xbox sans fil Pulse Red. Voilà, et on vous met en dessous de la vidéo tous les liens pour les trouver sur les différents stores qui vont bien et que vous connaissez habituellement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. En tout cas, merci de nous avoir lus, à très très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à mettre des petits pouces bleus, hein, comme toute bonne chaîne YouTube qui se respecte. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille chez nous. Et en tout cas, vous pouvez nous suivre sur Twitch tous les mardis soirs, et à d'autres moments, mais c'est un peu plus aléatoire, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, et surtout sur notre Discord. Très important, une grosse communauté, beaucoup d'échanges, des rencontres sur des parties, des besoins de conseils sur du matériel, sur les jeux, sur du paramétrage. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et on vous dit à très bientôt sur XboxLive.fr. Portez-vous bien. Ciao !